Le Festival des Arts de la Forêt est cette plateforme économique et culturelle qui se tient à chaque année. Et l'optique, c'était de faire de cette zone un carrefour culturel, mais réunir tous les fils et filles de la région forestière autour d'un idéal. Et en date, nous pouvons dire qu'en deux éditions, le bilan est positif, car pour nous, le festival n'est pas seulement que cet aspect culturel, mais c'est aussi l'investissement social. À la première édition, nous sommes parvenus à créer de l'emploi pour 20 jeunes. La deuxième édition, nous avons construit 8 latrines, 6 à Kabieta, la zone où chaque année il y a plus de 15 000 pèlerins qui viennent de partout de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi construit 2 latrines à l'université en termes sociaux. Et pour la troisième édition, qui se tient déjà, nous préconisons offrir une école de 3 salles de classe à Moata. Moata, c'est un village situé à 15 km de la ville des Erikouris. Et aussi en termes de mobilisation, c'est le plus grand événement au sud de la Guinée, c'est-à-dire dans la zone de Erikouris, qui mobilise à chaque année plus de 5000 personnes uniquement liées à cet événement qui est devenu aujourd'hui un carrefour culturel.